Abonne-toi à Keytoons et amuse-toi pendant des heures. Salut, chers abonnés! L'une des fêtes les plus internationales arrive déjà! Halloween! Oh ouais! Une nuit où les esprits reviennent sur Terre et... Et il n'y a rien de mieux que de passer cette nuit avec nos BFF! Ça veut dire meilleurs amis pour toujours! Alors, profitez! Bye et wouh! Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures! VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets! Toujours ensemble, nous sommes inséparables! Coiffure stylée à toi d'oser! Allô, VIP Pets! Halloween, n'aie pas peur! Je pense que je vais arriver plus vite au centre commercial avec ce raccourci! Hein? Allez, Lady DJ! C'est juste une sombre et triste ruelle! Les monstres n'existent pas! Il doit y avoir une explication! Une explication! Ce monstre faisait tellement peur. J'en ai même eu des frissons. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Je vais dire bonjour à mes abonnés. Ah! Alors, ce n'était pas un cauchemar. Qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux? Halloween. Mes vacances préférées. Citrouille, bonbons, films d'horreur. Cette année, je vais gagner le prix de la meilleure décoration chez Central Pet. Ils vont donner à mon salon de coiffure un look amusant et terrifiant. Mais il nous manque encore quelques décorations. Hein? Ces citrouilles sont bien trop mûres. Elles vont pourrir très vite. Ah, oh, j'ai une idée. Salut Juliette, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec un tas de citrouilles très mûres? De la confiture pour toute l'année. Quelle bonne idée, Juliette! Viens au salon tout à l'heure et je t'en donnerai un pot. Avec plaisir. On se voit plus tard. Même si c'était un vrai monstre. C'était réel. Regarde mes cheveux. Tu devrais quand même aller faire du shopping. Les monstres ne sortent pas en plein jour, tu le sais bien. Et si c'était le cas? Et puis même si c'est le cas, eh bien tu as tes amis ici pour lui mordre les chevilles. Les filles, vous êtes merveilleuses. Regarde ce que j'ai trouvé, Lady Didi. Ça va te donner un look super cool. Ça a l'air génial. Merci, mais ton look est encore mieux. Mais c'est juste parce que tu n'as pas eu le temps de te maquiller. Partons à la recherche de ce monstre. Allez, les filles. Filles? Oui, oui, on arrive. Maintenant, la partie la plus importante. Ah! Et mes citrouilles? Regarde, tonton. J'ai fait de la confiture avec tes citrouilles qui allaient bientôt s'abîmer. Quoi? C'était pour les décorations? Quel désastre! Il n'avait plus de citrouilles au magasin. Aïe! Mon gros orteil! Bon, il doit bien y avoir une solution. Par ici, suivez-moi! Il était sur cette boîte! Il était sur cette boîte! Il était... Ok, Lady Didi, inspire... Expire... C'est Lady Gigi! Allons la rencontrer! Oh non! Mes abonnés ne peuvent pas me voir comme ça! J'adore ton style! Ah! Où est-ce qu'elle va? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée! Vous voulez venir goûter un peu de confiture? Confiture? Mais en quoi cela va m'aider pour mes cheveux? Oh, attendez! Ah!
Fabio ! Fabio ! Et comme je les ai utilisés pour faire de la confiture à la place des décorations, il est très triste. J'ai une idée ! Ah ! Cette histoire avec les citrouilles est un désastre ! Un désastre ! Salut Fabio ! Oh ! Mauvais jour pour tes cheveux, mon ami ! Eh bien, on peut remédier à ce désastre ! Shopping style. La coiffure parfaite pour le shopping d'Halloween. Oh, Halloween et moi, sans citrouille. Eh bien, j'ai une surprise pour toi. On a fait des biscuits à la citrouille avec la confiture pour Halloween. Waouh, ces biscuits servent de décoration et peuvent être mangés. Ça va être un succès. Pendant que Fabio me coiffait, je me suis dit qu'on irait faire du shopping et résoudre le mystère. Ouais. Oui, tu as l'air si courageuse avec ce maquillage. Youhou, ouais. J'adore faire du shopping avec vous. Et s'il y a un monstre, on va bien lui faire peur. Salut mes abonnés, me revoilà, prête à faire du shopping. Aujourd'hui, aucun monstre ne me fera peur. Shopping. Mais Lady Didi, c'est le mannequin gonflable qui fait la promotion du centre commercial. Ah, voyez les abonnés, les monstres n'existent pas. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une super journée. Salut les VIP Pets! Vous êtes prêtes pour le festival de musique? On va danser! Titiriditi. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures! VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets! Toujours ensemble, nous sommes inséparables! Coiffure stylée, à toi d'oser! Allô, VIP Pets! DJ Gwen. Vous voyez? J'ai souligné tous les groupes que j'aimerais aller voir au festival. Je commencerai par celui-là, Dog's Farm. Je préfère les groupes plus joyeux. Est-ce que tu connais Moki Joe? J'aimerais de la musique qui nous fasse danser. DJ Dance est la meilleure. Super à la mode. On va voir des groupes super cool. Mais on va voir que la musique la plus à la mode en ce moment, c'est la trap. Peu importe. Je dois aller voir DJ Dance. Hein? Est-ce que tu vas aller au festival? Je n'aime pas trop la foule. Moi, j'adore les festivals. Quand j'étais jeune, enfin plus jeune, je voulais aller à tous les festivals. Oui. Ça devait être il y a longtemps, dans une galaxie très très lointaine. À l'époque, j'étais le coiffeur des meilleurs artistes. Vraiment? Bien sûr. C'est moi qui ai créé les mèches crêpées. Et puis tout le monde les a copiées. Oui, bien sûr. Et tu as aussi créé le fer à lisser. Oui, et maintenant, tout le monde l'utilise. Quelle star célèbre as-tu coiffé? Des tonnes et des tonnes. Je te montrerai des photos un jour. Mais je ne pense pas vraiment que la trappe soit à la mode. Je n'aime pas trop ça. Ce qui compte, c'est qu'on y aille ensemble, pas vrai? Nous sommes les VIP Pets, pas vrai? Pas de drame. Et pour notre dernier concert, DJ Dance! Dansons! Je ne vois rien du tout! Il y a trop de monde! Rien du tout, je vois beaucoup de jambes. J'aurais dû aller au concert de trap. Même si on ne voit pas la scène, au moins on peut danser. Et si on allait grignoter quelque chose? Non! Allons trouver une bonne place pour le prochain concert. Attends, on a beaucoup de temps avant que ça commence. Et je dois manger pour avoir un peu d'énergie. Et moi, je veux publier une photo de mon repas sur Internet. Il n'y a que des jambes sur les photos que tu as prises. Mais on ne pourra rien y voir du tout. Mais on ne pourra rien voir non plus si on a trop faim et qu'on s'évanouit. Ne criez pas! Vous me stressez là! À
Respirons un bon coup. On est en train de s'énerver et ça ne sert à rien. Ça suffit, j'ai vraiment trop faim. Hein? Ouf. Ok les filles, on a mangé, bu un peu d'eau de la fontaine. Est-ce qu'on peut retourner au concert? Je ferai bien du shopping. Ou aller chez Fabio. On va faire un tour chez Fabio? On ira chez Fabio plus tard. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je viendrai bien, mais mes petites pattes n'en peuvent plus. Je préférerais aller à Central Pet. Ouais! Allons au cinéma! Oh non! Je lui ai dit, tu vas gérer! Et je ne savais pas que tout le monde continuerait d'en parler pendant des années! Alors, c'était la première avec les mèches crêpées? La première! Et tu as créé ce style! J'adore ça! Dis-m'en plus, dis-m'en plus! Tu as déjà vu des crêtes iroquoises punk? Maintenant, il va dire qu'il les a créées! Eh bien, je les ai créées! Il y a quelques années, j'étais à Londres et... Je n'ai rien pu voir du tout. Il y a trop de monde. Oh, ces concerts ont transformé mes cheveux en une vraie crinière de lion. Ah! Fabio, j'ai besoin de toi! Eh bien, viens! Je vais me faire coiffer. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Est-ce que tu as vu ta DJ préférée? Elle n'est pas encore passée sur scène, c'est la toute dernière. Mais c'était un désastre. Je n'ai même plus envie de la voir maintenant. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Ah! Je sais! Je vais te faire un look de concert. Je l'ai fait uniquement pour des occasions spéciales. Disons que c'est un look unique avec lequel tes rêves deviennent réalité. FAF, entièrement naturel, 100% original, et c'est une formule secrète. Ah oui? Je dirais juste que grâce à ce look, ta DJ préférée fait encore de la musique. Je n'arrive pas à y croire. Normal. DJ Dance? C'est exact. Tonton, je t'aime vraiment, mais personne n'y croit. Essayons au moins. Concert style. Je pense que c'est bon. Ce style est tout simplement parfait. Waouh, j'ai adoré le film. C'était génial. Vous avez vu? Cool. Chouette. Trop bien. J'adore ton look. Allez les filles, on retourne tout au concert. Mais il y a trop de monde. On ne verra rien du tout. Ne vous en faites pas. Suivez-moi et vous allez voir. On dirait DJ Dance. Elle a la même coiffure. C'est une star. Regardez, tout le monde nous laisse passer. Ouais, la piste est à nous. Cool. Pourquoi elle raconte des histoires? Et où est le fer à lisser? Waouh! Tout ça était vrai? J'en reviens pas! Eh bien, pas tout! En réalité, DJ Dance n'est pas devenue célèbre grâce à mon look. Et pourquoi? Elle est devenue toute seule. DJ Dance avait juste besoin de confiance en elle, tout comme Gwen. Le premier rang, on a réussi! Coiffure stylée, à toi d'oser! On est les filles qui pèsent! Ouais! Je ne te crois pas. On va se revoir très bientôt. Vraiment? Tu es à Glam City? Ouais, on est arrivé hier. Tu m'as tellement manqué, mon ami. On va au cinéma comme d'habitude. Tu ramènes les boissons et je prends le pop-corn. Et les biscuits et des collations. N'exagérons pas. Tu sais comment on fait. Moi? Allez, Taylor. Waouh! Quel style! Je vais te filmer en slow-mo. Hé, hey, regardez qui voilà! T'as l'air vraiment heureuse! C'est parce qu'ils t'ont donné un nouveau shampoing? Encore mieux! Mon super ami est venu passer quelques jours avec moi! Oh, génial! On peut le rencontrer?
Désolée, pas maintenant. J'ai quelques trucs à acheter pour le ciné. Voyons voir. On peut y aller? Juliette? Des os pour toutou de première qualité. Des chips pour les barbecues. Oui, c'est un bon choix. Juliette est en mode shopping. Ah! Et popcorn! J'ai failli oublier. Alors, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP, rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Alors, VIP Pets. Une coiffure pleine de douceur. Oh mon Dieu, quel bric-à-brac. Pourquoi est-ce que ton oncle garde tout ça? Aucune idée, mais pour une fois, je suis contente qu'il ne jette pas tout. Regarde ça! Je vais inventer quelque chose de génial pour les cours de sciences. Tu veux bien m'aider? Ouais! Qu'est-ce que vous faites, les filles? Vous me faites peur! Je me suis un peu emportée. Mais c'est quoi tout ça? Popcorn, bonbons? Ils ont dû faire une erreur. Ne mange rien, Juliette, ok? Je reviens. Je dois me dépêcher avant que mon humain ne revienne. Ouf! À ce rythme, je n'y arriverai jamais. C'est parti! Oh? Oh non! Je ne peux pas sortir comme ça! 193, 194, 195, 195. Allez Taylor, tu vas battre le record! L'ami de Juliette ne fait pas ça, c'est sûr! Les filles! À l'aide! S'il vous plaît! Non! Il m'en fallait juste un de plus! Qu'est-ce qui s'est passé, Juliette? Je ne peux pas les enlever. Pourquoi tu n'appelles pas ton super ami? Mais pourquoi vous m'en voulez? Parce que tu ne nous as pas invités au cinéma pour rencontrer ton ami. Je voulais juste être seule avec lui, parce qu'on ne peut passer du temps ensemble que cet après-midi. C'est bon, mais on aimerait au moins le rencontrer. Ok, d'accord, mais enlevez-moi ça d'abord. Marché conclu. Aïe! Ouch! Aïe! Attention, ces hauts bacon sont très collants. Désolée. Aïe! Mais c'est impossible. Attendez, je crois que j'ai une idée. Ça ici et ça par là. Ça y est, Kiara, on l'a. Quel équilibre et harmonie des couleurs. DJ Dance aimera la couleur à coup sûr. Je vais tester mon super fer à lisser et voir... Oh, 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 oh. Pardon, tonton. Trop de puissance, hein? Pas de soucis. Heureusement que j'ai quelques réflexes qui... Kiara! Cette couleur ne te va pas si mal? Il ne va même pas pouvoir l'enlever. Bien sûr que si. Respire un bon coup. Tu dois être plus positive. Fabia et Fabio ont toujours la solution. Il doit savoir comment régler ça. Impossible! Je ne sais pas quoi faire d'autre. Laisse-moi essayer. J'ai fait quelques ajustements et à pleine puissance, je vais sûrement le faire fondre. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Je m'en fiche. Allons-y. Ouch! Et alors? La sucette est presque un peu plus jolie qu'avant. Elle ressemble à un bijou. Un bijou? Juliette, je ne pense pas qu'il y ait de solution. On va devoir le couper. Raser? Non, jamais! Je préfère garder la sucette. Ah, la sucette? Ah, j'ai une idée. Fais-moi confiance. Candy Style. Et voilà. J'adore ça. On dirait même que c'est fait exprès. Pas comme ma teinture. Ok, allez, je vais arranger ça maintenant. Je suis inspirée. Oh non, mon ami est là, je dois y aller. Bye. Bye Juliette. Je veux voir ton ami. Mais c'est excitant. Ouais. Je suis sûre qu'il est génial. J'ai trop hâte. Les amis,
s'il vous plaît. Du calme. Ne t'inquiète pas, Juliette. On sera aussi silencieuse qu'un sèche-cheveux débranché. Du calme, les vieilles pipettes. Où est passé, mon ami? Salut, Juliette. On se rencontre enfin. On est fans de toi. On adore ton profil. Tu veux venir au cinéma avec nous? Oui, c'est une superbe idée. Tu veux bien venir? J'adorerais, mais j'ai rendez-vous avec mon meilleur ami. Juliette, c'est toi? Sors-moi de là, s'il te plaît. Elle m'a mis ça et je ne peux pas l'enlever. Oh, je ne vois rien du tout. Oh, c'était vous? On a vu sur Instadog que tu allais au cinéma et... Mais vous ne pouvez pas mettre un seau à popcorn géant sur mon ami? Ça ne se fait pas, ça. Juliette, je vous l'avais dit. Excuse-nous, on est vraiment désolés. Bon, les filles, planifions un moment ensemble. Comme ça, j'aurai un peu de temps pour vous partager tous mes secrets de mode. D'accord? Ouais. On pense aussi que ce sera génial, mais quelqu'un a besoin d'un peu d'aide. Eh oh! Alors, via Pipette! Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée? Elle a eu un succès fou! Vous voyez? Cœur, cœur, étoile, cœur, cœur. Tu as tellement d'abonnés que tu pourrais faire renaître la mode de la frange à paillettes. Bien sûr, je suis Gigi l'influenceuse, la plus célèbre sur Internet. Ouch! Peut-être que je devrais donner mon avis sur la frange à paillettes. Je pourrais en faire une coiffure exclusive à nouveau. Bye bye, amie de Gigi. Quoi? On dirait que la célébrité lui est montée à la tête. Alors, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée, à toi d'oser. Alors, VIP Pets. Gigi est célèbre. Ouais, mon poste sur la frange à paillettes fait le buzz. Ouf. Un message de mes amis. Je répondrai plus tard. Être influenceuse demande beaucoup de travail. Ouh. Et avec ça, chers abonnés, vous aurez déjà la coiffure. J'ai vu ce tutoriel plusieurs fois et je ne peux pas faire cette coiffure. Je ne peux rien faire de mieux qu'un look commun. C'est la fin de ma carrière. Tonton, et si on le faisait ensemble? Non, c'est déjà un défi personnel. On devrait peut-être faire quelque chose pour que mon oncle puisse retrouver sa confiance en lui. Lady Gigi n'a pas répondu à nos messages. Et d'ailleurs, elle n'est pas venue au yoga. Je l'ai vue ce matin. Elle se promenait et ses fans la suivaient et la prenaient en photo. Les filles, un peu de concentration. Et maintenant, la position du lotus. Pendant les dernières minutes, elle a donné son opinion sur tout. C'est fatigant. Lady Gigi est là. Lady Gigi. Impossible de faire court dans ces conditions. Tu es venue. On était impatientes de te voir. Vu que tu ne répondais pas à nos messages, on a pensé que tu avais peut-être oublié le cours. Pas vrai, Lila? J'étais très occupée à répondre à mes fans. Et puisque je suis le professeur de cette classe, je ne veux pas de téléphone. Bien, j'en étais où? Oh, le lotus. Allez, les filles. Juste un message, ça ne la dérangera pas. Lady Gigi! Ça va aller, Nila. Ne t'en fais pas. Je sais, mais je n'aurais pas dû être si énervée pendant le cours de yoga. Et si notre amitié se déchirait pour toujours? Nila, ça ne se produira jamais. Nous sommes les VIP Pets. Je suis un bon coiffeur. Je ne le suis pas. Je suis bon. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Oublie ça, tonton. Rappelle-toi qui a inventé les ondulations inversées? Toi. Et qui a le salon de coiffure le plus cool de tout Glam City? Toi, toi et toi. Oui, je peux le faire. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'ai pas faite parfaitement. Tonton, tu sais, je peux t'aider si tu veux. Pas besoin, ma chère. C'est parti. Allez, Chiara, viens avec moi. Ok, j'ai été un peu brutale, mais c'est juste que vous ne me comprenez pas. J'aime pas. Sans mes amis, ça commence à être un peu ennuyeux. Cœur,
crème glacée, douche, plus d'entre vous. J'adorerais faire du yoga avec mes amis. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Elle a toujours raison. Et je suis tellement bouleversée pendant le yoga. Elle me manque, Lady Gigi. Un peu ici. Et voilà. Le coiffé décoiffé de Fabio. Comme ça, quand tu descends de moto, tu ne remarqueras pas le désastre. On va essayer. Désolée, Fabio. Pour être honnête, ta coiffure exclusive n'a rien à voir avec l'exclusivité. Tonton, est-ce que ça va? Tu as raison, Cara. C'est vraiment une coiffure horrible. Eh ben, tu sais quoi, Fabia? Peut-être que le look événement exclusif a besoin de 4 mains pour être parfait. Peux-tu m'aider, Fabia? Tu es le meilleur tonton du monde. Mes copines me manquent tellement. Elles sont exclusives. Et elles n'ont pas arrêté de faire plein de choses. Et j'ai été un peu dure avec mes amis. Être influenceuse n'a aucun sens si tu ne peux pas le partager avec celle que tu aimes. Je dois parler avec elle. Bon, les filles, je voulais vous dire quelque chose. Je suis vraiment désolée. Rien ne justifie le fait de ne pas vous avoir écoutée, ni d'être arrivée en retard au cours de Nila. Je suis désolée, Lady Gigi. Je n'aurais pas dû te parler sur ce ton. C'est ok. Tu nous manques. Je vous aime, mes amis. Moi aussi. Vous pensez à ce que je pense? Oui, les amis. Le yoga me manquait tellement. Toi, tu m'as tellement manqué. C'est un événement exclusif, authentique. Qui veut essayer notre coiffure exclusive? Lady Gigi. Oui, Lady Gigi. Woohoo. On a la meilleure coiffure à 4 mains de tout Glam City. La musique, Gwen. Exclusive Event Style. Incroyable! Oh, oh! Tu ne vas pas regarder ton téléphone? Absolument pas! Je passe un bon moment avec mes amis. Et il n'y a rien de plus important que ça en ce moment. Oh! Bon, on dirait que tes fans ont eux aussi appris la leçon. Qu'est-ce que la vie? Une illusion? Une ombre? Une fiction? Et la plus grande action est petite. Toute vie est un rêve. Et les rêves... Et les rêves sont des rêves. Ma chère, tu te débrouilles très bien. J'adore le théâtre. Hey, regarde! Casting pour les chats, mâles et femelles. C'est la chance de ma vie. Eh bien, agir comme un chat n'est pas facile. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Ouais, je vais me donner à fond. Et qu'est-ce qu'elles font les chattes? Elles sont furtives. Elles ont une démarche élégante. Elles sont patientes. Et puis surtout... Mes émotions de chien m'ont trahi. Je vais devoir me contrôler si je veux décrocher le rôle du chat. Je dois me concentrer davantage. Oh. Oh, j'ai besoin de répéter encore. Quelle heure il est? C'est quoi cette odeur? Hello, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. Cette odeur. C'était vraiment délicieux. Mais ça sentait un peu bizarre, non?
Ils ont peut-être changé la sauce? Non, il y a eu une mauvaise odeur toute la journée. Nous, les chats, avons un sens très développé de l'odorat. Ouais, bien sûr. Avec cette odeur, je ne peux pas jouer mon rôle de chat. Salut, tonton. Ouf, ça sent bizarre. Les tuyaux sont bouchés. Il n'y a aucun moyen de les faire fonctionner à nouveau. Même si j'utilise la ventouse. Mais tonton, avec cette odeur, personne ne voudra venir au salon de coiffure. Ne t'inquiète pas, Fabia. Je vais arranger ça en un rien de temps. Ah, ça pue tellement! Il faut trouver d'où vient cette odeur une bonne fois pour toutes. Mais comment? Laissez-moi faire. Avec mes talents de féline, je vais résoudre ce mystère. Oh, il y a un hamburger ici. Ces humains sont si négligents, je n'en reviens pas. Ils ne voient pas où sont les poubelles? Peut-être que l'odeur vient du hamburger? Non, c'est pas mal. C'est vraiment bon. Oh, waouh, j'avais faim. Hé, hey, cette pince que tu portes. Il y a un autre indice ici. Allez! Je suis déjà fatiguée d'avoir marché autant. Ça vient de là. Hein? Non, les filles, c'est juste que ça m'a échappé. Kiara, c'est toi! Ah, quoi? C'est du caca de colombe! C'est ce que je ressens et sens? Ah, ah, je veux dire... J'en ai marre! J'ai été comme ça toute la journée! Mais ensemble, on est plus forts! C'est quoi ça, tonton? Ça doit être les cheveux que je jette à chaque fois que je... Quoi? Tu jettes les cheveux là tous les jours? Mais tonton, on ne jette pas les cheveux dans les toilettes! Et en plus, tu gaspilles beaucoup d'eau et regarde ce que tu as fait! Mais c'est déjà réglé! Destin tragique! Miaou! A essayé de me... Miaou! Jouer des tours! Kiara, ça suffit d'essayer d'être un chat triste. Respire, inspire, expire. J'ai une idée. Ma carrière de chat est foutue. Abandonnée par mon propre destin. Ça... Ça ne sent plus mauvais. J'ai un casting à faire et je ne peux pas y aller comme ça. Et si on allait voir Fabio? Ouais! Oh, ça sent mauvais ici aussi. Salut, Kiara. Nos tuyaux sont bouchés. Kiara, qu'est-il arrivé à tes cheveux? Je viens juste de te coiffer. Fabio, j'ai un casting pour le rôle d'un chat dans un film important. Mais une colombe a fait caca sur mes cheveux. Et puis les VIP pets ont essayé de m'aider et j'ai fini toute mouillée. Ah, je sais. Je vais faire une coiffure spéciale. Je suis sûre qu'on ne verra que toi au casting. Oh, tu fais le chat très bien. Et un bandeau avec des oreilles de chat. Fashion Cat Style. Merci beaucoup. Je t'en prie, Kiara. Et quelques gouttes de parfum pour chaton. Comme ça, tu rentres bien dans ton rôle. Super Mare pour le casting. Ils sont si cool. Hein? Pas encore. Dans la poubelle, tonton. J'espère qu'ils vont me choisir, parce que je me suis beaucoup préparée, grâce à vous, les amis. Allez, Kiara! Tu es la meilleure! Ouais! Bonne chance! Prochain toutou dans le casting pour le rôle du chat. Kiara, tu dois piéger une colombe. Désolée, l'ami. Je t'ai pas fait mal. Très bien,
Kiara, le rôle est à toi. Ouais, t'as réussi. Tu as été super. Merci les amis. Quelle belle coiffure! Je vais m'en servir comme inspiration pour mes nouvelles peintures. Est-ce que tu vas t'en inspirer ou simplement les copier? C'est Fabio! Ces coiffures sont mieux que celles de Fabio! Alexia, je t'ai entendu! Quoi de neuf, Fabio? C'est la remise de diplôme de Fabia et je vais lui offrir quelque chose de spécial, mais je ne vois pas trop. Des chaussettes peut-être? Un klaxon de vélo? Un costume de poulet? Non, Fabio, pas du tout. Il faut que ce soit quelque chose qui ait du sens, comme tes ciseaux. Mes ciseaux? Mais je les ai depuis que j'ai commencé dans ce monde merveilleux de la coiffure. Mais c'est la remise de diplôme de Fabia. Le cadeau doit être merveilleux. Je dois trouver un autre cadeau. Je dois y aller. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais le costume de poulet est en solde. Oh, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Alors VIP Pets. Remise des diplômes. Les filles, on devrait aussi penser à un super cadeau pour Fabia. Ouais, bonne idée. Ouf. Un gâteau, évidemment. Eh bien, un kit de peinture à l'aquarelle est toujours le bienvenu. Et un nouveau téléphone. Vous réalisez que vous pensez uniquement à des cadeaux pour vous-même? Le cadeau est pour Fabia. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez un look qui lui va bien, mais qui ne vous va pas? Tu as raison. Maintenant que j'y pense, je dois aller voir Fabia cet après-midi, pour qu'elle puisse s'entraîner à faire des coiffures sur moi. Ah, j'ai une idée! L'une d'entre nous pourrait y aller avec Gwen cet après-midi, et pendant qu'elle se fait coiffer, l'autre pourrait essayer de découvrir ce qu'elle aimerait le plus. Et qui va aller avec elle? Eh bien, bonne chance et que la meilleure gagne! Non, que la meilleure perde! Non, perde! Stop! Gwen et Lady Gigi vont y aller! Et pourquoi Lady Gigi? Parce que, elle a des barrettes étoiles et elle est belle et, je sais pas. Allez! Salut Taylor! Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous? Oui, nous? On doit trouver une centaine... un millier de rubans pour cheveux d'ici la fin de la journée! Oh! Ah, super! Ouf! Allez les filles, c'est parti! Opération cadeau! Oui, et maintenant, le graduation style. Ok, allons-y. Aïe, aïe! Où est-ce que je l'ai mis? Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Fabia? C'est rien, Gwen. C'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout, on est amis. Je dois répéter le discours de remise des diplômes, tu sais. Et j'aimerais bien le faire, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Et comment tu vas faire, alors? Je veux que ce soit quelque chose d'inspirant. Quelque chose à propos du temps qu'on a passé à étudier ensemble. Ça sonne bien, Fabia! Quelque chose de magique! Graduation style. J'adore ça! Magnifique! C'est super tendance! Paillette ou non, tu es superbe! Magnifique! Mais on sait ce dont Fabia a besoin? Tout ce dont elle a besoin, c'est du temps! Elle est débordée! Ouais! Une paire de lunettes de soleil? Un collier de bonbons? Un stylo qui n'écrit que la nuit? Salon de coiffure de Fabio et Fabia. C'est Kiara. Salut Kiara, il faut que je te parle. Tu veux tester un nouveau look? Non, j'ai besoin de te voir en personne. Ok, d'accord. Bon, on se voit plus tard alors. Wouf! Comme c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut bien me dire? Les filles, Fabio nous attend au salon de coiffure pour faire une surprise à Fabia. Et on n'a toujours pas de cadeau. On doit choisir un cadeau dont Fabia pourrait avoir besoin pour son diplôme. Des chaussures confortables? Non, une casquette à la mode. Non, allez, un jean.
Un t-shirt tendance qui ne ressemble en rien à ce qu'on porte à la maison. Les filles, qu'est-ce que je vous ai dit? Rappelez-vous que c'est du temps libre dont elle a le plus besoin pour préparer son discours. Ouais, tu as raison, Gwen. On s'est un peu laissé emporter. Oh, et ce petit sac mignon? J'ai tellement de choses à faire que je ne pourrai jamais écrire mon discours. Et je suis tellement fatiguée. Oh, il y a encore des cheveux là-bas. Opération remise des diplômes. Nouveau look. Ouais. Les amis. Surprise. Chère nièce. Quoi? Tu as travaillé si dur. Je pense qu'il est temps. Voici la paire de ciseaux que j'utilise depuis mes tout débuts. Tes ciseaux? Pour moi? Merci, tonton. C'est le meilleur cadeau du monde. Et maintenant, tu prépares ton discours. On va prendre soin et nettoyer le salon pour toi. C'est pour ça qu'on est venus. Bien sûr. Allez, vas-y, fais ce que t'as à faire. Merci, les filles. C'est parti. Ça y est, j'ai fini! Mon discours est prêt pour demain! Oh! Ouais! Parfait! Eh bien, attaquons-nous à la seule chose qu'il te manque! Un look génial! Graduation style! Et j'ai réussi avec beaucoup de travail, oui. Mais c'est aussi grâce à mes proches qui m'aiment. Merci, vraiment. Sans vous et votre soutien, ça aurait été une mission impossible. On a réussi. On a les 1000 rubans pour cheveux. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et de toutes les couleurs. Et maintenant, les confettis. Oh, pour moi? Oh, j'adore! Merci beaucoup à vous toutes! Vous êtes les meilleures! Hip hip, hurra! Bonjour tout le monde! Il est temps de se décourdir les jambes avec un petit yoga! Namasté! Oh! Oh! Comment puis-je aller au yoga avec une coiffure pareille? Regarde mes cheveux! Brosse-moi s'il te plaît! Oh. Bonjour ma belle Nila! Elle n'y a même pas fait attention! Oh, Nia, je ne peux pas jouer maintenant. Je dois y aller. Tiens, une friandise. À plus tard. Salut, Nila. Comment ça va? Décoiffée. Je vois ça. On dirait que t'as un nid d'oiseau sur la tête. Mon humain ne me brosse pas. Tu dois insister encore plus. Plus? Oui, continue d'essayer. Enfin à la maison. Bonne nuit, Nila. Je vais me coucher. Bon, avec des cheveux comme ça, je ne vais pas pouvoir donner mon cours de yoga demain. Les amis, j'ai un gros souci. On peut te voir, Nila. On réglera ça dès demain. Je vais t'envoyer une playlist de musique relaxante. Merci. On se voit demain matin à la promenade. Alors, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée, à toi d'oser. Alors, VIP Pets. Quel nœud! C'est impossible. Avec ce désordre, impossible de trouver le sèche-cheveux que mon oncle m'a demandé. Maintenant, je comprends pourquoi il ne l'a pas cherché. Quel désordre!
Salut les filles, comment ça va? Je n'arrive absolument pas à retrouver le sèche-cheveux rouge que tu m'as demandé. Ne t'inquiète pas, il était très vieux, de 2 ans déjà. Je vais en acheter un autre tout de suite et on pourra jeter tout ça. Bye! Jeter tout ça? Veux-tu m'aider à le trouver, Kiara? Kiara? Bon, commençons par ce câble. Ce n'est sûrement pas très grave. Mais non, quelques petits coups et c'est fini. Ok, ok, mais ne vous moquez pas. Ça suffit. Tout le monde peut me regarder. Mais Nila, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux le toucher? Le toucher? Tu es folle. Non, non, non. Ça suffit maintenant. Je pensais que vous étiez venue m'aider, pas vous moquer de moi. Désolée, Nila, mais c'est juste que ce que tu as là, c'est vraiment... un sacré nœud. Si vous ne voulez pas m'aider, je m'en vais. Attends, attends. Ne t'inquiète pas, on peut régler ça avec un revitalisant naturel à l'avocat. T'es bien sûre de ça? Bien sûr. En plus de démêler tes cheveux, tu vas briller encore plus qu'un toutou popstar. Elle dit qu'en plus de démêler tes cheveux, tu brilleras encore plus qu'un toutou popstar. C'est prêt. Maintenant, tu dois attendre une demi-heure. Non, tu me remercieras plus tard. Je n'en peux vraiment plus. Ça fonctionne pas. Retirez ça de ma tête. C'est un peu dégoûtant. Je suis coincée. Qu'est-ce que ça fait peur? Pensez-vous que je serais jolie si je me rase la tête? Il doit y avoir une autre solution. Je sais. Rien ne peut résister à mon petit râteau. Doucement. Le tout, c'est de rester bien concentré. Je veux dire, de ne pas se laisser distraire ou de perdre patience. J'ai presque fini mon travail. Enfin, le nouveau sèche-cheveux que j'attendais. Encore plus puissant qu'un avion. C'est trop large. Et voilà, c'est fini. Aïe. Enfin, mon sèche-cheveux rouge était là. Peut-être que je n'avais pas besoin d'en acheter un nouveau. Encore des nœuds à démêler. Regarde, Nila. On a copié tes nœuds. Ah, il nous manque l'avocat et le citron. Vite, on ne peut pas se montrer avec un look aussi basique. Les filles, vous êtes des fans géniales, mais ne copiez pas ma coiffure. C'est une erreur fatale de revitalisant. On pensait que c'était ton nouveau look spécial. Tu es si jolie. C'est vrai que tout lui va bien. Mais Nila a raison. Oh, Luna, une sacrée séance de brossage nous attend avec nos humains. Bon, c'est fini. Adieu, splendide crinière. Après tant d'années, le moment est arrivé. Tu es sûre que tu ne veux pas attendre que le revitalisant fonctionne? Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que l'ICT pourrait embaucher un nouveau prof de yoga chauve. N'insiste pas. Attends, Nila. Allons voir Fabio. Il a dit l'autre jour qu'il avait un nouveau shampoing démêlant. Allez, viens, Nila. Ça va te remonter le moral. Oh, quel cheveu! Que s'est-il passé, Nila? On doit démêler tout ce méli-mélo. Et qu'est-ce que tu fais? Je démêle tous ces câbles. Vous voulez bien m'aider? Bien sûr! Je vais te faire un look, cours de yoga, méditation. Tout d'abord, on va utiliser un démêlant naturel pour démêler tous ces nœuds. C'est un produit capillaire dernier cri. Yoga style. Voilà, tous les nœuds sont enfin démêlés. Nila, tu es magnifique. Je voulais m'excuser d'avoir perdu patience tout à l'heure. Je sais que vous essayez de m'aider. Et comme ces cheveux sont parfaits pour le toutou yoga, je voulais vous donner un cours pour qu'on puisse se détendre. Quelle bonne idée! Yeah! Ouais! Wouhou! Youhou! I love you, happy pets! Ouais, Alexia! Oh?
Le marché aux puces est ouvert depuis une heure. Si on est en retard, on n'aura pas ce beau collier qu'on a vu. Salut, qu'est-ce qui presse? Ce marché aux puces n'est même pas cool. Et en plus, j'ai un ami qui travaille dans un autre qui est beaucoup mieux. Ah, mais d'où vient cette plainte? Je n'ai pas envie d'y aller, pas du tout. Alexia, on t'attend depuis une demi-heure. Tu ne peux pas nous faire ça. N'exagère pas, si tu veux bien m'excuser. Et maintenant, tu vas au salon de coiffure? On est censé aller au marché aux puces. Quelle mouche l'a piqué! Allons, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures! VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets! Toujours ensemble, nous sommes inséparables! Coiffure stylée à toi d'oser! Alors, VIP Pets! Plus jamais de plaintes! C'est bientôt mon tour! Doucement! Il faut attendre son tour! Vraiment, c'est de plus en plus long dans ce salon de coiffure! Et pourquoi tu dis ça? Vous mettez une éternité à me coiffer! Ce n'est pas vrai du tout! On est toujours très rapide pourtant! Eh bien, je pense que vous mettez beaucoup trop de temps! Je m'ennuie! Je suis désolée, Alexia! Mais là, tu m'obliges vraiment à utiliser ma super lotion anti-plantes! Qu'as-tu mis dans mes cheveux? Ça sent mauvais! Mais qu'est-ce que c'était? La lotion. Et dès maintenant, à chaque fois que tu vas te plaindre de quelque chose, un bip va sonner. Tu peux pas faire ça! Alexia, arrête! Vous savez quoi? Je ne m'en vais pas! Je m'en vais! Je m'en bats plus! C'est le plus beau des colliers! Oui, mais on n'a pu en avoir qu'un seul. Mais on a dit qu'on se le partagerait, pas vrai? C'est vrai. On doit tirer les noeuds au sort. Quelqu'un d'autre devrait l'avoir en premier. Ça ne me dérange pas d'être la dernière. Super, voyons voir. Gwen, retire le collier et tirons les noeuds au sort. Où est-elle? Tout va bien, les filles. J'imagine qu'elle le ramènera demain. Le lendemain matin. Salut, les filles. Prête pour le tirage au sort? Alors, qui prendra le collier aujourd'hui? Une seconde. Je voulais justement vous parler du collier. Je crois que je devrais le garder. Quoi? J'en ai plus besoin que vous. Pour mes concerts. Il me donne un look parfait. On en trouvera un autre que vous aimerez. C'est pas juste. Ce collier était pour tout le monde. C'est pénible. Je n'en veux plus. Juliette, toi aussi? Gwen, s'il te plaît, donne-moi le collier. Et je vous le donnerai à tour de rôle. Si j'entends une autre plainte, lotion super secrète et bip pour tout le monde. Non, 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 pas les bips. J'espère que vous avez bien dormi. Eh bien, pas vraiment. On est allé au marché aux puces et il ne restait qu'un seul collier. Et là, c'est le drame. Moi, je suis dans une situation compliquée. À chaque fois que je me plains de quelque chose, un horrible bip sonne. Aidez-moi! C'est vraiment pénible! Les filles, je sais comment résoudre le problème d'Alexia. Allons toutes à la plage. Je vous raconterai tout là-bas. Les filles? Fabia? Fabio? On dirait qu'il n'y a personne. Oh! Le collier! Cool! Bon, les filles, j'ai besoin de toute votre attention, s'il vous plaît. Aidons Alexia à arrêter de se plaindre tout le temps. Bien sûr, mes pointes sont trop sèches. Beaucoup trop de stress. Pour qu'Alexia soit plus positive, il faut lui rappeler les choses qu'elle aime et comme ça, elle va arrêter de se plaindre sans arrêt. Allez, réfléchissons. Voyons voir. Réfléchissons. Au lieu de se plaindre pendant qu'elle attend son tour au salon de coiffure, elle pourrait penser à la magnifique coiffure qu'elle va avoir. C'est une bonne idée. C'est ça. Mais il va nous falloir plus d'idées. Appelons Alexia. Salut Alexia. Je t'envoie des photos de ce que tu aimes pour que tu puisses les regarder au lieu de te plaindre de tout. Message. Des peintures, des couleurs. J'adore ça. Ruff, ruff, ruff. Comme c'est joli. Je ne bip plus du tout. Merci à vous les filles. Eh bien, le problème d'Alexia est réglé. Donc, qui prendra le collier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Le collier, il a disparu. Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un est passé par l'entrée secrète. Il n'y a qu'un suspect. À
Alexia a pris le collier après qu'on l'ait aidé. Quoi? Non, rien, rien du tout. Mais pourquoi a-t-elle autant changé? Mais qu'est-ce qui cloche avec Alexia? Ouf, qu'est-ce que c'est? Salut les filles, j'espère que les colliers vous plaisent. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de mon amie qui travaille au marché aux puces? Eh bien, je lui ai donné le collier et il nous en a fait un chacune et avec nos couleurs préférées pour les meilleurs amis. Et si ça ne vous dérange pas, j'ai une dernière chose à faire. Rouf, rouf, rouf. Creative style. Lotion enlevé, je peux te faire confiance? Plus jamais de plainte maintenant? Oui, bien sûr. Se plaindre, c'est vraiment pas cool du tout. Et n'avoir qu'un seul collier n'était pas si cool non plus. Oh non, le bip. Tu es bien sûr que cool n'est pas une plainte? Bien sûr que ce n'est pas une plainte. C'était juste une blague. Salut les filles, le cadeau de Juliette est presque prêt. Je vais vous montrer. On ne voit rien du tout, Alexia. C'est super, non? Le titre, c'est « Nuit d'anniversaire à Glam City ». Ça vous plaît? Je l'adore. Moi aussi, j'ai préparé un cadeau pour Juliette. J'ai composé une chanson. Mais je bloque un peu sur une rime. Vous avez un mot qui rime avec mannequin? J'ai préparé une séance de yoga relaxante pour Juliette. Oh, oh! Écoutez-moi! Fête d'anniversaire à la plage dans une heure! Je viens juste de l'annoncer et on a déjà 40 confirmations! Hello, nous sommes les chiens les plus cool et nous adorons les coiffures! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures! VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets! Toujours ensemble, nous sommes inséparables! Coiffure stylée à toi d'oser! Alors VIP Pets! Le gâteau est enfin arrivé! D'anniversaire. Les filles, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh oh. Joyeux anniversaire, Muriel. Muriel? C'est qui Muriel? On m'a envoyé le mauvais gâteau. C'est horrible. Oh, oh. Si tu le lis en bougeant la tête, on ne remarque presque pas le nom. Par contre, ça donne le tournis. Mais je ne peux pas fêter mon anniversaire avec le gâteau d'une autre. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait fêté son anniversaire avec le gâteau d'une autre. Et le lendemain, elle est allée chez le coiffeur, a eu des mèches blondes par erreur et a dû garder sa tête pendant 3 mois. C'est la malédiction du gâteau échangé. Ton gâteau doit sûrement être à la boulangerie. On passera par l'entrée des animaux et on vérifiera tous les gâteaux sans se faire remarquer. On y va. Oui, oui. On tourne ça à gauche, on pousse ça à droite, 2 petits coups et... On devrait appeler un professionnel. Ma chère, on n'a pas besoin. Je suis le professionnel. Mais tonton, je pense que... Voilà. Maintenant, testons-le. Chiara, s'il te plaît... Et si on l'essayait sur quelque chose d'autre d'abord? Oui, bonne idée. Cette serviette est un peu humide après avoir séché les cheveux de Chiara. C'est bon! Ça a séché en 3 secondes. Alors, c'est qui le génie? On ne trouvera jamais le gâteau à temps. Au revoir, cheveux soyeux. Bonjour, mèche blonde. Allez, ça ne doit pas être si compliqué. On doit juste trouver le gâteau avant la fête. On a encore un peu de temps. Ça va être un vrai désastre. Non, on va le trouver. Combien d'anniversaires peuvent bien avoir lieu en même temps et le même jour à Glam City?
Juste quelques-uns. Il suffit de se séparer et d'aller sonner aux portes. Je suis sûre qu'on le retrouvera. On est les VIP Pets, pas vrai? Ok, oui! Allons chercher ce gâteau! Plus de 30 anniversaires dans une seule rue. J'ai souhaité un joyeux anniversaire à une Buriel, Luriel et Juriel. Ne t'en fais pas, Juliette. On va bien finir par trouver une solution. Je crois que j'ai une idée pour régler ce problème. Je vous envoie l'adresse. Ouais. Aou. Voilà le plan. Si on ne peut pas trouver le gâteau, on va changer le nôtre. Waouh, c'est une super idée. J'ai tout ce qu'il nous faut pour faire ça. Je dois réparer ça avant que tonton ne revienne. C'est fantastique. Oh, il arrive. Et cette technique s'appelle le rinçage Fabiolus. Tonton, tes cheveux sont mouillés. Oh. Je vais arranger ça avec la machine. Tonton, je pense que... Quoi de mieux que de tester les réparations que j'ai réalisées moi-même? Un coup de sèche-cheveux et un grand ouragan pour le salon de Fabio. S'il te plaît, marche, s'il te plaît. Alors? Génial! Ça a marché! Bien sûr que ça marche! Maintenant, je vais essayer de réparer l'électricité et les tuyaux. Je suis le meilleur! Le meilleur! Ouf! Là, c'était moins une. Le gâteau est prêt! Il est superbe! Oh non! La fête va bientôt commencer! Et on ne peut pas y aller couverte de crème! Vite! On va aller au salon de coiffure et le gâteau doit être livré en colis prioritaire. C'est bon! Ouais! Les VIP Pets n'abandonnent jamais! Allez, Juliette! Vas-y! Les filles, j'apprécie beaucoup vos efforts, mais c'est impossible que Fabio s'occupe de nous toutes! Il ne s'occupe pas de nous, Juliette! C'est ton anniversaire aujourd'hui! Et toute l'attention te revient! Mais... Oui. On s'aime toutes beaucoup et on est les meilleures. Mais on n'a pas le temps là. Pas le temps du tout. Ah! Oh! Ouais! Fabio, j'ai besoin de toi. Oh, ok. Des styles. Oh, quel joli look! Voilà le gâteau! Oh non! Le transport a abîmé le gâteau! Regardez le gâteau et regardez vos têtes! Mais pourquoi tu rigoles? C'est terrible! Ton anniversaire est ruiné! Quoi? Mais c'était le meilleur anniversaire du monde! J'ai passé toute la journée avec mes amis! Allez les filles, amusons-nous! Au fait, Juliette, je t'ai fait un dessin! Oh, et j'ai préparé un cours de yoga rien que pour toi! Et je t'ai écrit une chanson! Ok, ok les filles, mais plus jamais de gâteau! Alors, VIP Pets! C'est parti pour le record. Waouh! Ah, c'est quoi son problème? Laisse-la tranquille. Waouh! Regardez! Une compétition de skateboard. Et il y a une catégorie canine. Je dois y participer. Je vais aller chercher mon skateboard et m'entraîner. Houston, nous avons un problème. C'est qui, Houston? Laisse tomber. Alors, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Alors, VIP Pets. C'est bizarre, pourquoi Taylor n'est pas connecté? Je pense qu'on ne verra pas Taylor ces jours-ci. Pourquoi? Elle s'entraîne beaucoup pour sa compétition. J'ai entendu dire que le record du monde est de 3 looping et demi. Oui, et elle veut en faire 4. C'est impossible. Mais c'est son rêve, non? Eh bien, si elle se donne à fond, alors nous devons la soutenir. Ouais,
L'amitié, c'est la chose la plus importante. Ruff, ruff. Avec tous ces loopings, ses cheveux ressemblent à des spaghettis. Salut Kara, Taylor s'entraîne toute la journée. Elle est vraiment motivée. Je vous l'avais dit, ce n'est pas la bonne commande. Ce spray est spécialement conçu pour les chiens athlètes. Je ne peux pas l'utiliser. Tonton, juste achète-le. Il sera parfait pour les cheveux de Taylor. Elle pourra l'utiliser quand elle réalisera ses figures. Oups, une seconde. Tu penses que je devrais le garder? Bien sûr, tonton. Essaye-le. Allez. Waouh! Même une tornade ne pourrait pas te décoiffer. Je ne vois rien du tout. Salut, c'est Gwen. On est en train de se faire une session bien calée chez moi. Tu viens? Je suis désolée, les filles, mais je ne suis pas d'humeur. Qu'est-ce qui ne va pas, Taylor? C'est à cause de la compétition? Oh, je dois encore m'entraîner. Je suis toute décoiffée et je ne peux pas continuer à m'entraîner comme ça. Mais si je m'arrête maintenant, je ne pourrai pas gagner la compétition. Je veux rester seule. Pauvre Taylor, on doit faire quelque chose. Nous devons appeler Fabia et Fabio pour qu'ils essayent de régler son problème. Elle ne peut pas concourir comme ça. Salon de coiffure, FNF, bonjour. Kara, on a besoin d'un rendez-vous de toute urgence. C'est pour Taylor, c'est une question de vie ou de mort. Fabio! Il me suis beaucoup entraînée. Je veux réaliser 4 loopings et remporter le prix. Mais ses cheveux m'empêchent de voir et je n'y arrive pas. On peut utiliser le nouveau super spray. On verra. On doit d'abord ranger tout ce désordre. Et maintenant, le super spray. Skater style. Oh, la compétition va bientôt commencer. Tu as de la chance. Tes amis ont appelé juste à temps. Qu'est-ce qui ne va pas, Taylor? Tu n'aimes pas? Non, ce n'est pas ça, Fabio. Mes amis me manquent tellement. Je les ai abandonnés à cause de l'entraînement. Nous, les athlètes de haut niveau, sommes vraiment seuls. On doit faire quelque chose. Les filles, on vient de régler le problème de Taylor. Maintenant, c'est à vous de jouer et d'aller à la compétition pour la soutenir. Cette fois-ci, Fabia a raison. Allez, les VIP pets. Cette fois-ci? Comment ça? Mesdames et messieurs, et dans la catégorie canine, en direct de Glam City, voici Taylor. Oh non, où sont mes amis? Ok mon ami, arrêtons ça. Nous vous rappelons que les photos avec flash ne sont pas autorisées. À la demande générale, nous donnons à Taylor une nouvelle chance. Taylor! Trop contente que vous soyez là. Vous m'avez manqué. Tu t'es entraînée tellement dur, Taylor. Saisis ta chance. Les juges ont pris leur décision. La première place est attribuée au premier toutou qui a réalisé 4 loopings, Taylor. Oui,
D'accord, mais tu as vraiment failli tout gâcher avec ton flash, Lady Gigi. Le plus important, c'est que Taylor soit récompensé pour son travail acharné et son entraînement. Non, le plus important, c'est la leçon que j'ai apprise. Je n'aurais jamais pu y arriver sans mes amis. Eh bien, ce n'est pas juste un simple trophée. Voyons voir ces friandises. Sont-elles comestibles? Waouh! C'est très bon! Désolée les filles, je dois faire un tour aux toilettes. Merci beaucoup les amis. Je ne laisserai plus jamais une compétition passer avant notre amitié. Oh! Hein? Waouh! Regardez! Une compétition de surf! Et il y a une catégorie canine! Il faut que je participe! Ouf, ouf, ouf. Salut les filles! J'ai comme une impression de déjà vu. Quoi? Laisse tomber. Alors, Via Bipette! J'adore tes tableaux, Alexia. Mais personne n'est venu. Je suis encore plus démodée que les mèches blondes. Je ne peindrai plus. On doit lui remonter le moral. Ce n'est pas le bon moment pour prendre des photos, Lady Gigi. Vous allez voir, cette exposition va être un succès. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Allô, VIP Pets. Presque peintre. Je ne suis qu'une artiste ratée. Oh, voyons voir. Ouf, ouf, c'est génial! Plus de 200 likes pour mon exposition sur Instadog. Ouf, je suis une star! Ouf, ouf! Ces likes n'étaient pas de trop. Ne t'inquiète pas, on voulait juste lui remonter le moral. Regarde, elle écrit! Merci, followers! C'est clair que vous avez un excellent goût. On dirait que ça marche. Pour que vous puissiez continuer à apprécier mon art avec plus de tableaux. Ah ! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Tu vas voir, elle va juste oublier. Que c'est relaxant! La musique classique nourrit l'âme. La musique pop nourrit le corps! Regardez comme je déchire avec ma nouvelle coiffure. C'est cool, hein? Allez, Kiara, rejoins-moi! Hein? Beaucoup mieux! J'ai faim! Arrêtez! Vous allez couper mon inspiration! Je dois tout finir pour ma nouvelle exposition! Ma petite patte s'est engourdie. J'ai presque fini. On ne bouge plus. Pas encore. Hein? Personne n'aime mes tableaux. Ouf, je suis une ratée. Je ne peindrai plus. Et maintenant? Laisse-moi réfléchir. Non, non, non. Toi, on ne veut plus de tes idées. Oh! Qu'est-ce que c'est? Wow! Quel beau pinceau! Oh! Il y a un mot! Le meilleur cadeau que l'on puisse t'offrir. Un pinceau avec ton nom dessus et une dédicace spéciale de la part de tes amis pour que plus jamais tu n'oublies que chaque jour, tes tableaux remplissent notre monde de couleurs. Je n'ai plus de couleurs pour personne maintenant! Oh non, elle nous a renvoyé le pinceau. Et maintenant? Je ne sais pas, mais il faut se dépêcher. Alexia vient de mettre tous ses tableaux en vente sur de pattes en pattes. Ça devient sérieux, on ne peut pas la laisser faire. Attendez, j'ai une idée. Je vais essayer d'acheter tous les tableaux qu'elle vend. Tu es dingue. Tout est vraiment super cher. Vous verrez. Salut Alexia, je suis intéressée par ton annonce. Rencontrons-nous. Maintenant, allons voir Fabio. Regardez, c'est la danse du serpent. Super mouvement. 10 points. Et ça,
c'est un demi-plié. Je vais te donner un meilleur score puisque tu as vraiment essayé. Ouf, ouf, Fabio! On a besoin de toi pour nous rendre belles! Les gens ne sont jamais à l'heure! Où est le petit toutou que je devais rencontrer? Oh! Salut, Alexia! Regarde ça! N'est-ce pas inspirant? Non! Je ne peindrai plus jamais! Admirez la magie de mes cheveux! Laissez-moi tranquille! Je ne veux pas peindre! Si tu aimes vraiment la peinture, alors tu dois peindre! Peu importe ce que les gens pensent! C'est vrai! Tu as raison! Mais je n'ai plus de matériel pour peindre! Il te manquait ça! Le meilleur des pinceaux! De la part des meilleurs amis du monde! Ne bougez plus! Sont géniales. Mais tu n'as pas l'air au top. Ne t'inquiète pas, je vais aller voir Fabio. Ruff, 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 ruff. Salut Fabio, j'ai besoin de ton aide. Oh, c'est terrible! Viens ici. Salut, tu es sûrement Alexia l'artiste? Oui, et qui es-tu? Je m'appelle Cara et mon rêve, c'est de devenir actrice. C'est notre petit chien. On essaye des nouveaux looks sur elle tous les jours. Mais maintenant, c'est ton tour. C'est parti! Et maintenant, la touche magique. Exhibition style. Wow, tu es si mignonne. Je sais quoi faire avec tes tableaux. On a fière allure. Ruff, ruff. J'adore ça, Alexia. L'exposition va être géniale. Les gens ont hâte de rentrer. C'est super. On a juste besoin d'autre chose. De quoi? De musique. Ruff, ruff, ruff. Ah, trop bien. Regardez les filles! Mon humain a acheté un fer à lisser. Je vais l'essayer. Comment on arrête ça? Ouf! Heureusement que la batterie était faible. Gwen, t'es la meilleure! Ouf, 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 ouf. N'oublie pas notre première sortie demain. Nous sortirons tout le grand jeu, ok? Je n'ai pas assez d'émoticônes pour vous montrer à quel point je suis impatiente de vous voir enfin. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Allô, VIP Pets. Club VIP Pets. Un petit peu de ça. Ce slime est trop cool! Non, 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 non! Ah! Maintenant, je fais quoi? C'est le drame! Oh, je suis encore en retard! Bonjour, tonton! Je suis là! Ah! Ah! Salut, oncle Fabio! Désolée! J'ai trébuché et... Pas de soucis. Pour moi, le plus important, c'est que tu sois venue m'aider. Tu es ma nièce préférée. Mais je suis ta seule nièce. Ah, vraiment? C'est parti! So cool! La première arrivée. Hey, salut Taylor. Je suis Gwen. J'adore tes cheveux. Ha, merci. Tu es très gentille, Gwen. Les amis, j'y suis presque. C'est juste que je n'ai pas pu trouver le wifi. Peut-être qu'à la place de Lady Gigi, on devrait t'appeler Lady
Oui, fille. Hey! Bonjour à toutes les beautés. Mon humain a brûlé ses cupcakes, mais je pense que nous pouvons encore les manger. Merci. Ils sont... très bons. Je suis ravie. Enfin, j'avais tellement hâte de toutes vous rencontrer. On ajoute des œufs de caille brouillée, du savon à vaisselle, 2 tranches de mortadelle. D'après la recette, ce shampoing fait maison nettoie tout. Et là, c'est le drame. Incroyable. Je t'ai appelée avant. Waouh. Regarde ces vagues. Et les reflets. C'est qui son coiffeur? J'ai besoin de lui. Elle vient de là-bas. Quoi? Il doit y avoir une autre entrée. Venez. Mais il n'y a rien ici. Seulement des plats. Et les accessoires d'un vieux salon de coiffure. Il n'y a rien à voir ici. Taylor, tu vas bien? C'est incroyable! Vous devez essayer! Juliette! Taylor! Alexia! Lady Gigi! Gwen! Salut! Quelle belle casquette tu portes! Salut! Ouais, c'est pas mal, mais je préfère ton look. Je n'y suis pour rien, c'était... Chut! C'est un secret! Eh bien, c'est un ami qui s'occupe de notre look. Quel ami? Un ami merveilleux! Ouf! C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée! Tu ne peux pas imaginer à quel point notre ami est doué avec le peigne. Il n'y a personne comme lui! Regarde le résultat! Nous? Oui! Nous sommes un petit groupe d'amis. Je vais te les présenter. C'est Taylor, Juliette, Alexia, Lady Gigi... Et puis... moi-même. Je suis Gwen. Salut, je suis Nila. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens d'avoir un petit accident avec mes cheveux. Ce n'est rien du tout. J'ai failli me faire manger les cheveux par un fer à lisser ce matin. Tu es si jolie, tu n'as même pas besoin de te coiffer. Allez, enlève cette casquette. Non! Catastrophe! Et je fais quoi maintenant? Tu n'as pas à avoir honte de quoi que ce soit. Tu es un petit toutou très spécial. Peu importe à quoi tu ressembles. Mais pour y remédier, il n'y a qu'une seule solution. Mais est-ce en danger? Oui, ça l'est. Ne t'inquiète pas. Je n'en suis pas si sûre. Allez! Waouh! C'est super! Génial! Waouh! Il y a tout ce qu'il faut ici. Un poste de coiffure, une unité de lavage, une salle d'attente. Et voici le paillettisateur. Salut, je suis Fabia. Tu es revenue si vite, Gwen. On a un petit problème. Pour ça, je ferais peut-être mieux d'appeler mon oncle... Fabio! Eh bien, qu'avons-nous ici? C'est... que j'ai eu un accident avec... Du slime? Tu n'as pas à me le dire. J'ai vu toutes sortes de choses dans les cheveux. Sauce au curry, gomme, chocolat praliné... Une fois, on a même eu 2 petits toutous collés ensemble. Et elles sont reparties tranquillement, chacune de leur côté. À l'unité de lavage. Et tu vas voir ce que je peux faire. Ne t'inquiète pas, Fabio est un génie. Woo! Friend style! Hey! Oh.
Regardez la superbe coiffure que Fabio a fait à notre nouvelle amie. Mila, tu es magnifique. Bienvenue dans le groupe. Coiffure stylée, à toi d'oser. Nous sommes les VIP Fest.